Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre deux équations niveau 2. Alors, première équation, 5x moins 8 égale 4x plus 10. Donc, en trois étapes. Première étape, faire disparaître les x hein, pour les regrouper du côté gauche. Donc, ici, 4x que je vais faire disparaître. Je soustrais forcément 4x aussi du côté gauche. Ce qui me donne 7x moins 4x. 3x moins 8, ça disparaît, plus 10. Étape numéro 2, je fais disparaître le moins 8 du côté droit. Opération inverse, plus 8. Je calcule, égal sous égal. 3x moins 8 plus 8, ça fait 3x. 10 plus 8, 18. Et dernière étape, comme j'ai 3x, je vais diviser par 3 pour avoir un seul x. Donc je divise par 3 des deux côtés de mon équation, ce qui me donne 3x divisé par 3, ça fait x. 18 divisé par 3, ça fait 6. Je mets la vérification. La vérification, 6x moins 8, ça fait 7 fois 6 moins 8. 7 fois 6, 42. 42 moins 8, 34. 34 du côté gauche. Côté droit, 4x plus 10, 4 fois 6 plus 10, 4 fois 6, 24, 24 plus 10, 34. 34 de chaque côté, ma vérification est effectuée, la solution de l'équation c'est x égale 6. Deuxième équation, 5x plus 7 égale 6x plus 9. Alors je vais appliquer exactement la même technique. D'abord, je fais disparaître les x à droite. Ici, j'enlève 6x. J'enlève 6x aussi dans le membre de gauche. 5x moins 6x, ça me donne moins 1x plus 7. 6x moins 6x, ça fait 0. Plus 9, 9 tout court. Étape numéro 2, faire disparaître les nombres ici. Donc plus 7, l'opposé, l'opération inverse, c'est moins 7. Mon calcul, moins x plus 7 moins 7, ça fait moins x, 9 moins 7, 2. Alors ici, maintenant, alors j'ai pas exactement ce que je veux, j'ai moins x. Moins x, hein, on peut penser à moins 1x. Donc je vais diviser par moins 1 de chaque côté de l'équation. En divisant par moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Moins 1 divisé par moins 1, moins 1x divisé par moins 1, ça fait x. Égal 2 divisé par moins 1, ça fait moins 2. Ça revient en fait à changer les signes. Alors je vais faire ma vérification. Premier côté, 5x plus 2. Donc 5 fois moins 2 plus 7. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Moins 10 plus 7, ce qui me donne moins 3. Dans l'autre membre, 6x plus 9. 6 fois moins 2 plus 9, 6 fois moins 2, ça fait moins 12, et moins 12 plus 9, ça fait bien moins 3. J'ai trouvé la solution de mon équation, x égale moins 2. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et on se retrouve avec plaisir une prochaine fois. Au revoir.